It's my man Tawan. You need some artwork? Hit my man Tawan up. Salut à vous mes gueux et mes gueux, c'est votre ami le clochard magique pour un épisode du clochard à table un petit peu particulier. Regardez, il y a aussi madame qui est là et qui filme également. Elle m'ignore royalement. Donc nous sommes à Asakusa pour deux raisons particulières. La première raison, c'est parce qu'il y a une vente de kimono qui a lieu aujourd'hui. Et après cela, on va aller manger un sukiyaki. Donc un sukiyaki, qu'est-ce que c'est? Allez Toine en pyjama, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est? Mais m'as-tu invoqué Toine sous la pluie à Asakusa pendant une journée de merde? Eh ben bien vu, je vais me faire un plaisir de répondre à cette question. Sukiyaki, ça vient de yaki. Hein, on l'a déjà dit un milliard de fois, yaki c'est cuir grillé. Et suki en japonais, ça signifie soc de charrue. Quelle est cette chose? Si vous prenez par exemple une charrue qui sert à labourer les champs, il y a cette partie métallique qui sert à retourner la terre et c'est donc ça un soc de charrue. Donc, est-ce que ça veut dire que les japonais à l'époque utilisaient leur machine à labourer pour pouvoir cuire leur viande dessus? Je ne sais pas, je n'y étais pas. Le sukiyaki est un plat traditionnel japonais qui apparaît à la fin de l'ère Edo du côté de Kobe. C'est un plat qui est surtout accompagné de fines tranches de bœuf, de champignons, de tofu et d'un dashi, un bouillon warishita. C'est de la fondue quoi. Les origines du sukiyaki sont nombreuses, mais la théorie la plus populaire, que c'était lors du shogunat de Tokugawa que les soldats recevaient en temps de guerre de la viande de bœuf afin d'être forts et vigoureux en vue des batailles. Ces soldats qui revenaient de la guerre, ils avaient développé un goût pour la viande et ils se disaient bon, bah, j'en remangerai quand même bien chez moi en le cuisant sur un soc de charrue dehors avec du charbon. Très souvent, on parle également de deux styles de sukiyaki, Kanto et le Kansai. Le style de Kanto, c'est une fondue de bœuf qui est faite en versant dessus le warishita. Le style du Kansai s'agit de faire griller les ingrédients dans un premier temps et rajouter la sauce soja et le sucre par-dessus. Retour à Asakusa. Et voilà, nous sommes de retour à Asakusa. Enfin, j'ai fait un mètre hein, depuis ma dernière intervention. Quartier très traditionnel de Tokyo. Et la dernière fois que je suis venu ici, c'était avec un ami de Kyoto parce qu'il est un de ces bars fétiches qui est dans ce quartier. Et puis on est allé là-bas, on a bu des coups, comme d'habitude. Et on a bien mangé, c'était cool. Je vous avoue que j'ai pas une attache particulière avec ce quartier, même si, oui, ça fait toujours plaisir de venir dans les parages. Bon, ben, on va éviter la grande avenue, parce que même s'il fait pas très beau aujourd'hui, il y aura certainement beaucoup trop de monde. Et moi, je suis un peu agoraphobe, j'aime pas les gens. Ah, on dirait une tube. Bon, bah, super. Je rappelle que Mourad parlait du shichimi dans la vidéo. On était allé manger dans ce fameux restaurant secret de Shinjuku. Shichimi, c'est tout simplement des mélanges d'épices et on mange tout ça le plus souvent avec des yakitori par exemple, la viande. Alors je sais pas s'il y en a certains d'entre vous en francophonie qui ont connu ce singe. En tout cas, quand j'étais petit, ma cousine et mon frère et moi, on en avait un ou deux. Et chez nous, ça s'appelait mon kiki. Pour la simple et bonne raison que le nom de base, bah, c'est Monchichi, comme vous voyez ici. Et c'est japonais. Quand c'est arrivé chez nous, on s'est dit, bon, on va l'appeler Monkiki, parce que, non pas en tant que référence aux gags, hein, mais en tant que référence aux singes, tout simplement. On en apprend des choses avec moi, hein. Bon, je vis dangereusement, hein, je n'ai pas mon parapluie, comme ça je peux filmer tranquillement. Et si j'ai un rhume de cerveau, ce sera de votre faute. De Dieu, c'est joli tout ça, là. Ah ouais, là, c'est l'endroit avec l'espèce de grosse lanterne au milieu, hein, que vous avez certainement déjà vu des milliers de fois en photo et en vidéo, je sais pas quoi. Bon, alors, comme vous le savez, très certainement, je suis pas un grand aficionado des lieux touristiques. Bon, allez, pour le sport, hein, allez, c'est vraiment pour vous, parce que moi, j'en ai un peu rien à foutre. Voilà, oula, regardez, c'est joli. Ouais, on va passer dessous. Hop, avec des femmes en kimono. Oh, c'est magnifique. Et tu peux choper ton petit Mikuji. Voilà, comme vous le voyez, il y a quand même pas mal de monde.
Alors certes, vous allez vous dire, ouais, mais toi, nous, c'est quoi ton délire? Dans tous les endroits dans lesquels j'ai pu voyager, etc., j'en ai toujours eu rien à foutre des lieux touristiques. Ça m'a jamais intéressé. Mais c'est vraiment par rapport au fait que j'aime ce qui n'est pas à tout le monde, si je puis dire. Je sais pas comment m'expliquer. La manière avec laquelle est-ce que j'aime apprécier les choses quand tu sais que t'es vraiment privilégié. Enfin voilà, moi, c'est cet aspect-là que je chéris. Et c'est pour cette raison, en fait, que j'aime bien les gargotes, j'aime bien les endroits qui sont pas fréquentés parce que c'est pas du tout pour faire l'élitisme, genre, regardez, moi, je connais, vous connaissez pas. Mais c'est vraiment parce que ça me permet de satisfaire mon besoin de unique. C'est comme si par exemple vous êtes amoureux de quelqu'un, vous n'avez pas envie que cette personne elle aille fricoter avec d'autres personnes et tout, vous voulez vraiment que ce soit votre relation privilégiée, ce petit truc unique, que ce soit seulement entre vous. Bah c'est un petit peu la même chose si je puis dire. Je pense que le voyage, l'expérience, etc., c'est des choses qui se méritent. J'aime pas m'imposer à autrui, j'aime vraiment pas débarquer et essayer de forcer toute l'expérience que j'ai accumulée, toutes ces années que j'ai investies dans certains endroits, dans des relations, c'est pas le fruit du hasard. Je critique pas du tout les gens qui, quand ils vont voyager, ils veulent aller voir des sites connus, mais moi c'est pas mon délire. Bon madame, on profite vu que c'est des offres en plus de cela qui sont vraiment pas chères. C'est la collection personnelle d'une influenceuse kimono qui est originaire de Pologne. Kiko, elle a chopé des trucs pour le taf, parce que je vous pour rappel, elle bosse aussi au Golden Guy. Pour les clients, c'est sympa, ça met une ambiance. Et puis voilà, donc j'ai juste décidé de sortir parce que je me fais un peu chier. Hein. Bon, on va faire une petite prière. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis bouddhiste et geste préventif depuis que je suis né. Et voilà, maintenant il faut se prendre la fumée dans la gueule. Il manque juste les merguez. Ça, j'ai tellement faim. Sympa le Shotengai. Non. Sympa. Ce genre de réel qui va seul en mon cœur. Et voilà, on a trouvé le restaurant Gyu Machin Hanten. Le restaurant a 100 ans. Pour le menu, on prend donc le Jo et le Toku. Jo, c'est quand même bonne qualité et ça, c'est extra qualité. Pour ce qui est du prix, c'est peut-être 28 euros le régulier, 35 euros le haut. De nanaf. C'est vert, comme les yeux d'Elsa. Petit bout de gras là. Toujours les flammes du Mordor. お鍋の中に入っている割り下が少なくなりますと、お鍋焦げやすくなってしまったり煮詰まって味濃くなってしまいますので、お鍋の黄色のお鍋のお座りをお渡しください。あ、こちらですね。こちらの紙がお水になっております。はい、わかりました。 Allez, voyons cette histoire. Il paraît pas incroyable, mais le tofu est trop bon quand même. C'est parti. On va vraiment faire les crevards en partageant comme des gueux le dernier morceau de viande de haute qualité.
d'autres mots à dire. En fait, c'est magnifique. Là, c'est juste parfait. Ça vaut en pesant de cacahuètes. Bon, bah, franchement, c'était bien bon. D'habitude, je suis pas un grand fan du sukiyaki parce que j'aime pas les trucs sucrés en fait. Par contre, la vibe, ça se voit. Voilà, c'est un restaurant qui est centenaire quoi. Et l'endroit, ça se voit vraiment qu'il y a du vécu. Et ça me rappelle beaucoup cet endroit où on était allé à Sendai, qui est à l'origine de la langue de bœuf grillée au Japon. Donc, si jamais vous avez pas encore vu la vidéo, je vous mets le petit lien pour aller voir cette vidéo. Un établissement dans lequel il y a vraiment un certain poids des traditions et le temps s'est un peu arrêté également. Je trouve que les prix sont encore assez raisonnables. On en a eu pour 8500 yens, environ 70 €. Et là, on va se prendre un petit dessert. Bon, là, on est tombé sur une espèce d'horreur. C'est une fondue au fromage à la banane. Alors, faut savoir que moi, je suis suisse. Hein. Tout ce qui a trait à la fondue au fromage à la raclette, pour moi, c'est sacré. Ouh, je me sens tenté par cette bière en matcha. Et voilà, petite glace hojicha qui est donc du thé vert grillé. Petite soft cream au matcha et la bière au matcha, on va voir ce que ça vaut, hein, de Dieu. Avec le petit mannaka qui est donc un biscuit typique japonais dans lequel on mange souvent avec du hanko. Voilà la petite glace. Allez, on va goûter la bière au matcha là. C'est bien mousseux, bah, c'est de la bière. Hein. C'est bon ouais. Et ce qui est incroyable, c'est que ça donne l'impression de boire du jus de légumes. J'ai l'impression en fait de boire quelque chose de sain. Bon bah mes gueux et mes gueux, c'est fini pour, avec ce petit trip du côté de Asakusa. Regardez où je suis encore là, de Dieu. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de vous abonner, d'activer la cloche. Un petit peu en mode visite slash bouffe. Sinon n'oubliez pas non plus de me suivre sur mes réseaux sociaux @airforce1, Twitter, Facebook, Instagram. Voilà, salut hein. Ciao ciao.